les femmes, vous les charmes. Salut à toutes et à tous et bienvenue à une nouvelle émission Elle, toujours un plaisir qui moule avec Zot, masqué aujourd'hui parce que, comme on dit, elle est tout le temps. Nous visons à maintenir ben, la précaution nécessaire, donc quand on a suffisamment de distance entre nous l'invité et moi, nous capables de permettre nous pas porter masque. Donc là, nous, l'espace est quand même un petit peu restreint, surtout moi, ben, à cause du climat en ce moment, un peu chaud, un peu frais. Donc, mon gentil, la grippe saisonnière, rien d'inquiétant, rien de plus grave, mais juste me faire attention pour ne pas gêner mon prochain. Donc, je suis masquée. Donc, mon invité aujourd'hui, tout timide, il appelle Cheyenne Labour. Alors, Cheyenne, entre Cheyenne et ce qu'il appelle macramé, il a une grande histoire d'amour. Alors, de plus en plus, Dimoun Pinterezot à la décoration, de tout ce qui est bohème, comme on le dit. Donc, qui était ça, comment on fait ça? Donc, Cheyenne, là. Pour Lydia nous ça aujourd'hui. Alors avant d'aller un petit peu plus loin aussi, nous pétourner, donc pas très loin, loin de la route royale, donc d'un chemin côté n'a quand même pas mal, on dit mon qui peut travailler, pas mal d'ateliers, donc aux autres poutons un peu pas autour. Donc on fait avec, mais toujours avec plaisir qui me présente ça l'émission. Alors Cheyenne, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Tu médites l'année passée ou bien encore? Encore. Je vous rassure, ouais. C'est pour tout le monde pareil, mm-hmm. Mais au cours de l'émission, tout va bien. Ouais. Alors, vous qui êtes un petit timide, moi, vous tournez autour du pot. Okay. Alors, Cheyenne, oui. Raconte-moi au début dans le macramé cette belle histoire d'amour qui est entre où? Ouais. Avec macramé. Oui. Pour les avec comment tu files? Ouais, mon ban la côte, enfin. Bon, je commence, je expliquer comment commencer. Non, allez. C'est-à-dire, après déconfinement 2020. C'est-à-dire, depuis cause, premier confinement. Oui, premier confinement. En fait, donc, pendant le confinement, je pas en rôle du tout. Je n'ai plus envie de faire une bonne affaire créative. Je tout ce que oui. Mais. Je temps passe sur Pinterest, une application. Je compte ben déco bohème. Me dire me trouve une plante suspendue avec la corde. C'est intéressant. Oui, sur Pinterest. C'est un intéressant, c'est un couleur. Me n'a guetté comment y appeler, qui était, ça c'est pas quoi. Me trouver une crème macramé. Me n'a tape macramé. Comment faire macramé sur YouTube? Mais il était, mais apprendre, tout ça, gagner parce que je n'ai pas envie, zo qui commence à faire des lives, mais envie qu'on fasse des sans zo là. Mais avant ça, où tu connais du tout ma cramée? Non, je ne connais pas du tout ma cramée, je ne connais pas comment ça vient comme ça, qui fait mon envie de faire ça, mais je retrouve moi là-dedans net, mais sans couleur, je commence. Première chose que je fais, c'était pour une plante, même une plante suspendue avec ma cramée. Je poste le story Facebook. Je me dis comment je m'en jolie. Si je prends commande. Oui, moi qui fais ça. Si je prends commande, c'est pas quoi. Je me dis oui, parce que moi je suis en travail. Je me dis oui. Je me dis si je peux prendre commande, je peux tracer, je peux guetter, comment je peux faire des récits de nous. Maintenant, on a fait une cause de déconfinement. Donc ouais. Pendant le confinement, qui vous apprend à faire ça. Oui. Mais qui dit macramé, dit aussi, ben, comment dire ça, ben matériau. Ouais. Qui ne m'ont pas pensé aussi dans grande quantité. Non, là. pas tchina, mais non, il y a aussi. Pour sa première, ça fait. Pour ouais. Sa première. Comment dire ça? Qui vous ne s'y spanne flair là dans mm-hmm. La côte, gars, ça va. En fait, dans la boutique côte, moi, je peux rôder. Qui la côte, moi, pour faire ça. Qui ça la côte, je peux faire la côte, je peux faire. Pas que nous on y est, là. Moi, dans la boutique, quand ma maman me trouve la ficelle, ben, la ficelle maçon, c'est elle vient me croire pour ben, mes gestes, pas quoi. Mais je trouve ça, me dit, bon, ça, il m'a. Moi, dans ma tête, me dit ça, même parce qu'il y avait pareil. Mais je trace avec ça, me trouve pas bien, je dis pleurer, tout. Gagner. Me dit, bon, je n'ai pas envie de connaître comment faire ça. À la fin, je réussis à gagner un petit truc, gagner un petit forme, ça, mais je ne sais pas si je connais là, comment bizarre. Alors, je continue. Ça même qui me. La ficelle là même, je réussis à faire N, je mets au Facebook, je suis intéressé. Là, je commence à aller à côté de moi. Je suis prendre mon matériau autre dans le magasin. Je suis allé là-bas, je trouve. Je suis allé là-bas.
mais pas sa bonne qualité comme elle dans la vidéo là. Ou ça, laisse ça même là. Oui, me laisse ça même. Me laisse ça même. Je prends lit quand même, je prends lit, je transtrace, je pratique, ça même apprendre. Je suis un peu cher, mais ça me tient. Mon premier commande, je fais avec ça même. Après, je trouve. Je ne suis pas trop satisfait avec la cour. Jusqu'à là, je ne suis pas encore satisfait avec la cour parce qu'ils me suivent, le Instagram me suit, personne qui fait ma cramée de haut. Je fais avec une banane à cour un peu plus spécial encore. Mais Maurice, difficile pour gagner. On fait peine, mais je suis pour tout peine. Mais avec ça même, mon copain travaille. Je gagne un autre magasin qui est une banane un peu plus spécial que je m'habitais. Ça m'a satisfait, ça m'a mon copain travail aujourd'hui et que j'ai eu un bon feedback pour mon bonne commande, je m'en apprécie. C'est qui m'a fait. Maintenant, pour faire macramé, surtout cause nous, la peinture, ou un artiste dans l'âme. Alors, qui dit artiste, dit aussi une source d'inspiration. Donc là, nous pouvons satisfaire source d'inspiration. Juste après, une petite chanson, à tout de suite. Alors, de retour ici avec mon invité d'aujourd'hui dans l'émission Elle, Cheyenne, qui est artiste. Alors, il raconte-nous ce début dans le macramé. Bien sûr, nous pour réviner le macramé parce que c'est ce travail, c'est ce passion, c'est ce la vie qui tourne autour de ça. Parce que, comme on me dit, allez, chaque semaine, elle, c'est l'évolution, la vie d'une femme. Alors, vous n'êtes artiste. Il n'y a rien à vous dire ça. Pas vraiment, non. Parce qu'autour de moi, je n'ai pas trop personne, non. Ni une famille, ni cousine. Ou même ça. C'est-à-dire ma prochaine génération, ça commence par où? Alors, Cheyenne, raconte-nous cette histoire d'amour entre vous et là. Ouais. Enfin, bon. Il vient un coup comme ça. Okay. Au fait, je me suis don là, comme je dis, claque. Alors, comment ça, donc, comment c'est-il là? Je tiens, non? Alors, ça a commencé quand je me suis mon résultat forme 5. Troisième thème. Ce qui tient intéressant, là, c'était mon résultat haut, c'est que je suis allée dans haut. Je suis allée distinction d'âme, je suis contente. Et là, je me dis, bon, je suis douée là-dedans, je suis allée là-dedans. C'est un peu intéressant, je suis allée en anglais, français, c'est pas qu'il y a. Vous ne pouvez pas attendre, vous pouvez attendre. Oui, vous ne pouvez pas mais je travaille pour ça, c'est ma. Me manque de confiance en moi qui me fait moi croire qui me pour faire pas pour gagner un bon résultat là-dedans mais mon reçu pour ça qui me commence tous master Canva parce que dans forme 5 même qui commence servir Canva tout ça là me commence à master Canva me faire mon ban la peinture moi je compte faire ban visage ban du monde c'est pas quoi portrait ouais portrait mon content ça mais continue là dedans et aller pour content tous bonnes affaires bricole bonnes affaires c'est pas pour le des côtés du bois tout ça là mais c'est maman bizarre tant l'inspiration là vient dans moi pour me rester aller à faire la peinture sinon pas tous non par exemple ça va vous venir sur commande oui. Disons vous venez me dire Cheyenne tu peux faire une table pour moi non ça c'est pas comme ça ouais pas comme ça faut d'accord dire, faut dire me laisse-moi inspirer me laisse-moi mais qui inspire vous justement parce que par exemple nous avons plusieurs artistes oui. Hein, au cours de nos émissions de dire nous donc vous êtes inspiré par la nature par les animaux par le bruit de la mer mais où moi pas connais qui inspire moi mais c'est moi moi bon, on est dans moi mais moi pas connais mon adrénaline oui ça qui fait moi réussir à tous mon ban c'est pas mon macramé mais soit me faire la peinture comme ça me pas connais me peine non il y a tout qui attire moi qui pour inspirer moi pour réussir à faire des affaires faut dire c'est pas moi trouver un visage un portrait c'est pas qui moi je bon me parler moi va faire ça comme ça mais sinon peine belle inspiration apporte moi et mon inspiration là donc c'est ou même en fait ou même oui source d'inspiration oui. Pour faire ça donc mais quand on a sa peinture que ça la peinture là donc là mais qu'est-ce que vous pensez là quel état d'esprit là été bon c'est l'état d'esprit là mon besoin réussir faire ça ça fait une photo qui m'a payé tiens mon besoin réussir faire ça pareil comme ça et vous passez beaucoup le temps bon rarement me tout slip parce que depuis que je commence ma cramer mon gars comment il prend patience pour me faire avec beaucoup de jours mon pas réussir tous la peinture comme un besoin là moi comme tu sais faut des beaux peines comment nos peines non et des côtés ma cramer là moi capable tous pinceau, la peinture. Oui, la peinture. D'accord.
Ouais. Et ça, c'est donc où l'évolution de Roland continue, donc un petit peu plus bonheur quand on prépare l'émission, où on dit nous, qui nous fait quand même pas mal de choses, qui reste quand même dans le monde de l'art, où on touche aussi à la chanson, donc à cause dit brièvement, ouais. GN. Oui. Alors, la chanson a commencé en 2009 quand Michael Jackson est mort. Alors, ça m'a laissé inspirer par lui, par la voix, sur la vie, tout ce qu'il a traversé. Vous êtes fan de Michael Jackson? De son vivant ou bien quand il est mort? Non, quand il est mort, qui m'a dit que cette histoire m'a sentiment touché, m'a envie qu'on puisse sur lui. Là, je ne sais pas si on sent, mais j'ai envie de faire une grande chanteuse, mon envie de remplacer Michael Jackson, mais pas en s'en dire au cadre. Mais là, je apprendre, je fais comment lire, je apprendre sur une parole, de crier, quand on peut s'en dire, crier, aller comme ça, maman, tu m'as trop crié, maman, nous fait une surprise dans la radio, dans la. Faire des morts pour gagner l'école santé pour moi. Wow! De là, il est venu, j'ai moi comme moi, il l'école de chant pour moi. J'ai moi, telle chanteuse pour mon professeur, ouais, mon coach. Je suis content, je suis impressionné. Je me suis dit, je vais aller là-bas, je vais apprendre, comment dire, maîtrise la voix, diaphragme, tout ça là, comment pour respirer, pour enlever, c'est pas comme ça. Aller me trouve même améliorer. Tu es content ça? Oui. Je suis extra content. Je gagne l'occasion de participer dans un petit concert. Moi avec mon Michel, je suis allé dans un fancy fair avec nous, petit bande avec nous. Bien passé. Mais quand on... moi ça m'intéresse là. Oui. D'un cours de chant, qui va apprendre? Là, on cause diaphragme ou ça là. C'est. Explique-nous ça, Sylvie. bon, d'apprendre comment on prend la voix depuis dans trip, pas mon clair, qu'on peut faire note, pas quoi, comme ça. Comment accepter ou même comment on était. Parce que la plupart, comment moi-même, nous extra complexé, manque de confiance, c'est qui, comment dire, parfois, le monde de la scène. Ou hésiter pour chercher la voix. La voix tremblée. Oui, la voix tremblée, tout ça là. Mais là-dedans, on apprend tout ça là. Les petits plus sans affaire, moi-même. Les petits plus sans affaire, accepter moi-même avant que je sois capable de chercher la voix, de chercher ce qui est dans moi. Comme ça. Ok. Et l'une, j'ai longtemps ça quoi là? Deux ans après, là, j'ai gagné mon petit. Au fait, maintenant, j'ai appris qu'il est enceinte. Ok. Et là, nous avons arrêté. Oui, maintenant. Mais dans sa cour là, on sent juste répertoire Michael Jackson ou bien. Non, plus. Au fait, pas tu fais reprise. Dans le cours là, pas tu fais reprise, mais tu plus, comment dire, nous récits, apprendre nos propres morceaux nous-mêmes, okay. nos propres mélodies. Et qui est-ce que vos propres mélodies, nous regardons nous? Bon... Non, mais pourquoi vous avez vous sentez, vous connaissez moi un petit mime, mais qui est-ce que vous êtes content? Petit plus, comment tu peux gagner l'inspiration pour la musique, pour la chanson? Propres, ouais, la chanson. Moi, je peux gagner plus, comment dire, un cantique comme ça. Ouais, c'est ça que tu peux sortir. Un peu plus gospel, en fait. Oui, un peu plus gospel, c'est ça, ouais. Ah ben voilà, une belle histoire d'amour entre... Cheyenne, et la chanson, et ben là, puisqu'il est dans un monde quand même artistique, m'a proposé une session de maquillage. À tout de suite. Bonjour, c'est Zerine Somtali. Aujourd'hui, nous vous faisons un glam look. Côte, nous vous focus beaucoup le sur cheekbones et le sur rouge à lèvres qui vous mettent en valeur la personne. Alors là, nous finissons complète ce base. Nous vous continuons avec ce eye make-up. Et nous vous terminons le glam look. One night, one more chance to say I'm sorry. And I can't believe a lie, say you need me. One night, one more chance to say I'm sorry. And I can't believe a lie, say you need me. I surrender.
peu noir to the outer corner of the eye et le blend. Là, comment tout le monde content mettre fossile. Bon, pour montrer juste comment appeler un fossile. Première étape, nous besoin mes yeux. Nous mes yeux et nous couplons d'après longueur du cils naturel. And I can't believe a lie. Say you need me one night. Nous mettons la colle, nous essayons de sécher. And I can't believe a lie. Say you need me. Voilà, nous terminons ce visier et nous mettons ce rouge à lèvres. C'est le contour avant. Blush. Et après, nous vous mettons sur highlight. Pour compléter un glam look, il est important qu'il nous mette beaucoup highlight. Un maquillage idéal pour une soirée. Et nous ajoutons un petit peu highlighter, l'eau sur tiède d'œuf. Et en bas, un contour. Voilà, on termine avec le glam look. Moi, j'espère qu'ils sont contents. Bye! Alors, de retour ici, après une petite session de maquillage, alors chez Yann, nous révèle le macramé qui est au travail principal. Oh, yes. Alors, ça a aussi évolué tous les jours, c'est qu'on apprend une guerre des ans. Oui. Mais il n'est pas pareil comment est aujourd'hui, non, en 2022. Pas pareil, c'est-à-dire quand tu fais commencer, moi, tu bizan, comment moi, gagne commande, moi, bizan, à le Pinterest, soit le YouTube. Mon guetté, comment ça commence né là, comment découle, comment c'est, côté vini, côté fini. Quantité de la côte, bizarre, mesure, tout ça là. Mais en ce temps-là, comme un client, vraiment un modèle, une photo, je finis cette photo-là, je connais qui est une fille, qui est passé, qui est commencé, qui est fini, et que j'ai la côte, tout ça là, pas de problème pour moi en ce temps-là. Ouais. Donc tout ça. Et quand on gagne une commande pour faire, on a beaucoup passé rangé ou? Mon bizarre prépare du bois. Allez, racontez. Ouais. Mon bizarre prépare du bois. C'est-à-dire, mon bizarre finit prépare les caves un mois en avance parce qu'il prend traitement du bois là. Mon bizarre gagne ban driftwood, ban du bois sec. Là, là, mon met dans javel, dans caustic soda, pardon, un zou, des zou, met dans soleil, des bébés mots, tout ça là, met sur préservatif. Un du bois traité alors? Oui, un du bois traité. Mon bizarre. Je prends Marie soin parce qu'il... Vas-y, ça donne. Bois, quand ça me goûte, bois, vinyle. Non, quand vinyle, j'ai besoin de pelisser, polider. Et vous-même faites ça? Oui, moi-même faire, mais pour l'aide de Michel, comment j'ai mon guetté faire, ni ménager. Mon guetté faire... Travail du bois. Oui, travail du bois. Pour ça, qui me connaît comment faire ça. Plus quand mon guetté... Comment ban femme de haut, je fais ma cramée, comment je fais, comment je traite je ban du bois, tout ça là, parce que... Quand je fais commencer, quand je trouve du bois là, je me dis, bébé, commencement, je me dis, la poudre du bois tombe, c'est pas qui.
Moi, je vais passer à hier, hein, parce que si pour le côté de client, pas pour correct, ah, bon, ben, mauvais feedback. Mais là, je vais apprendre comment faire le traitement là. Je vais mon caustic soda, mon javel, mon mété. Tout est dans mon atelier, là, mon couvier, là, un trou, là, je mets tout. Non, je vais mettre dans un trou, là, je trouve que je mets tout mon banc de bois là-dedans. D'accord. Oui, je vais remplir avec de l'eau, je vais mettre caustic soda. Avec de l'eau, je mets tout mon banc de bois là-dedans. Trempé. Oui, trempé. Ça part dans le cave 3 jours, 4 jours. Mais par contre, voilà, chez Yen Lili, professionnelle dans ce qu'il y fait, et bien sûr, il y a une substance chimique qui nous sert. Il ne fallait pas nous faire à peu près. Bien oui. sûr, quand chez Yen Feli, avec ce légant, avec toutes les précautions qui bisent, parce qu'il y a l'icône Feli, il apprend à faire ça. Mais bien sûr, mesdames et messieurs, soyez prudents, pas, ne nous pas ordonner, ne pas faire des affaires qui sont capables de faire cause du tout. Hein? Donc, pour dire chez Yann, il y a une professionnelle. Donc, on lui peut servir cette substance-là, lui connaît comment vous avez fait. Oui. Voilà. Alors, caustic soda pendant 3 jours, mettez tout du bois là-dedans. Après, tirez, remettez dans le soleil. Après 2-3 jours, remettez trempé dans le javel. Retirez caustic soda, nettoyez le bassin net. Après, elle a mis javel. Mais dis donc, ouais. Elle a du boulot là-dedans parce qu'on nous rappelle tout le monde m'a cramé là, autour de nous, mais waouh, wow. Il y a du boulot quand même. Pas du bois. Pas du bois, mais nous pouvons faire un petit détour d'horizon, là, comment j'ai trouvé le bois et tout ce qu'il y a autour, elle a travaillé là-dedans. Ouais, elle a mis dans le soleil, elle a fini dans javel, mis dans le soleil, un bon temps, après, repolir, repasse à préservatif, tout ça, bon soin, après, elle a correct. Pareil pour servir. D'accord. Ça veut dire pour une pièce, là, disons. Ouais. Combien les temps, il faut Combien les temps. Ça dépend dimension, la longueur, la longueur, tout ça là. Et banné là aussi. Il y a du monde qui a envie de remplir avec banné. Et il y a qui est content comme si il pas, ouais, pas trop rempli. Mais pas trop rempli comme ça. C'est-à-dire. Une dimension cave 50 cm, et cave prend moins une zone 50 cm, largeur, longueur, 1 mètre. Si du bois la fini traité. Oui, si du bois la fini traité. Voilà, on peut faire ça. Ou bien une transaction avec du bois, ou faire une bonne quantité qui peut pas servir. Oui, voilà. Il prend moins une zone, il prend moins le temps, mais la patience. Parce qu'il m'a fatigué, fini ou plein ou saturé. Moi, je me saturé avec lui. Si je faisais ça même là, mais. Je me fais aller traîner, comme je me fais aller 2 ou 3 jours comme ça, là, je sorti pas au fait. Si je me fais aller un seul coup, je peux saturer toujours, je peux gêner. Pour sortir mal, là, je peux gagner avec ça. Oui, je peux satisfaire, je peux gagner, je peux retirer, je peux coupler même. Ah oui, carrément. D'accord. Par exemple, moi, je ne peux pas faire ma cramer parce que je ne suis pas de nature très patiente. Voilà, donc, je trouve ça magnifique, il y a des gens qui va faire des affaires comme ça. Ouais. Par exemple, comment faire mon cheveu, mais tous les semaines, je dis à moi quoi faire, mais je t'admire pour ça, parce que pas la faire sécher, passer le fer à lisser, mais moi, mon pote, pourquoi pas faire ça, moi j'admire. En fait, les gens qui prennent du temps, qui comme on dit, ben, ça gagne son métier, ça gagne son passion, ça gagne faire ce qu'il est content. Mais chez Yann, est-ce que tu peux ou retrouver là, Valérie Dizou, est-ce que tu peux, on les a pensé, retrouvez-vous dans l'autre monde? Dans l'autre monde. Pas macramé? Si tu faisais faire autre chose? Enfin, moi, j'ai beaucoup rêvé. Moi, j'ai envie d'une chanteuse, de tester des lèvres. Tout avec la paix, comme je dis, je peine laisser, je peine continuer là-dedans. Sinon, moi, je peux continuer, mais dans l'autre monde. Avant ça, avant qu'il me commence ma cramer, je suis dans l'esprit pour moi faire manager dans l'hôtel. Je prends un cours pour ça. Mais après, je me laisse moi envahir avec la paix, je peux continuer. C'est... Mais pour le moment, je suis dans ma cramer. Ça même, comme je dis, je réussis à gagner ma vie, je réussis à avoir un bon emplacement, je suis capable d'exposer mon déco, tout ça. Pour le moment, je juste macramé, Mais peut-être dans le futur, nous va guetter, ben là, qui dit macramé, qui dit là, dit travail, dit aussi client. Alors, quelle relation qui chez Yen et Na avec ce man client? Nous vous disons ça dans un instant. Ne quittez pas. Bonjour, ici c'est Nassif, chef de cuisine. Et aujourd'hui, je vous présente un burger qui est assez différents ben les autres burgers.
Et premièrement, moi, pour faire lié avec un du pain céréal, qui bon, pas tout du monde qui compte en ça, mais moi, je fais juste compte lié. Et ici, c'est le pâté. Bon, le pâté, moi, je finis faire lié en avance. Je mets l'ail, persil, un petit peu de qui me crase le tout ensemble et qui voilà, me laisse mariner et poser pendant au moins un jour. Et ensuite, je me présente tout ben ingrédients qui peuvent être normal, ben trucs comme laitue, tomate. Et ça, c'est une sauce assez spéciale qui me fait homemade. Et là-dedans, je peux retrouver tomates concentrées et mayonnaise, un petit peu de paprika, l'ail en poudre, oignon en poudre, l'ail frais, oignon frais, et persil, et un petit peu harissa. Voilà, harissa. Et là, ça, c'est un aioli qui je peux gagner partout, l'eau de supermarché, etc. Qui me peut juste mariner le. C'est un chou rouge là et le blanc ensemble qui me voilà, fait un petit coslow. Je vais rajouter un petit peu dessus. Et aussi, nous avons un zef qui nous peut frayer ensemble avec dans la poêle, ensemble avec le poulet. Bon, nous pouvons commencer par poêle, le poulet. Et ajouter un petit peu d'huile. Voilà. Bon, en même temps qu'il nous fait le poulet, nous pour casser l'œuf dedans. Mais je ne peux pas faire les séparément. Mais maman, quand on passe le tout au four, c'est mieux. Sans oublier, nous finir préchauffe, nous four 180. Comme ça, la cuisson ne va pas trop tarder. Donc là, nous de l'huile in chaud un peu. Donc nous pour rajouter le pâté. Bon, là, nous pouvons juste donner un petit peu de couleur dans les deux sens. Après, nous vous directement au four. Nous rajoutons l'œuf. Juste à côté. Sans oublier du sel, du poivre. On retourne au pâté. Et là, direct four. Et voilà. Donc, on peut laisser à 180, 5 minutes et pas plus. Là, nous pouvons continuer avec un petit coleslaw un peu. Qui n'est pas pour vraiment doux, mais plutôt un petit peu de goulaï, parce que nous vous mélangez avec un petit peu de aioli. Voilà. Voilà comment je vais trouver. Bon, ça, c'est mon pépotage. Une petite idée avec eux qui sont capables de faire panier tout le temps avec coleslaw doux. Et ils peuvent changer un petit peu le truc. Voilà. Et là, nous pouvons juste commencer à découper nos bandes de tomates. Nous pouvons juste déposer ça ici. Et la tomate, tout simplement en rondelles. Et voilà, deux suffit. Hein. Pour les tuyaux, je ne peux pas mettre les entiers, mais moi, tout le temps d'un burger, je suis content. Juste couper. Voilà, comme ça. Et mieux présenté, ou comment on peut dire. Voilà, et là directement nous pouvons juste chauffer du pain céréal au four. Voilà, et là nous pouvons juste rajouter deux tranches de cheddar sur le pâté de poulet. Et voilà,
c'est vraiment chaud. Voilà, juste vous mettez là. Bon. Et au four. Après 5 minutes, nous retirons le poulet qui finit paré avec, voilà, avec les œufs et aussi le pain céréal. Et voilà. Et là, nous pour poursuivre avec nous la sauce spéciale. Voilà. Nous pouvons mettre le coleslaw. C'est bon, et là nous prenons le parti. On prend le burger poulet. Nous pouvons le déposer dessus. Là. Suivi de l'œuf. Et là nous pouvons juste remettre un petit peu la sauce ici. Pas comme si tu en as trop sec. Voilà. Le laitue. Et les deux tranches de tomates. Et là, nous fermons. Et là, déposer. Et voilà. Et voilà, me présente le burger healthy, comme nous sommes capables d'y aller. Et normalement, voilà, tout burger est accompagné avec une frite, mais vu qu'il est healthy, donc je préfère servir comme ça. Et voilà, j'espère que vous êtes content à ce petit moment-là et à très bientôt. Avec Cheyenne, mais bien sûr, hein, off fricote, on nous dit, on rigole, pour faire passer le temps dans la bonne humeur, ouais. Avant de reprendre un nouveau plateau, puis surtout, redonne Cheyenne confiance en lui, parce qu'il y a un petit problème là, timidité. Gros problème. Alors Cheyenne, qui ban client content, par exemple, là, Movin Gotou, me dit Cheyenne, voilà, mon tandis a offert ma cramé, mon pas trop connaît qui était ça, ouais. Mais mon tandis c'est à la mode, oui. Comment nous dire, et mon envie de ma cramé dans la case. Donc, qui vous propose moi? Alors, comme la plupart des clients, je trouve un truc pour mettre attaché que je lili. Ben là, je m'accramé à peu près dans 1,50 m par là. Alors, j'ai un lili, je mets ça derrière un lili, oui. Et que si je peux mettre dans le salon aussi, bon, comme c'est l'été aussi en ce moment. Et c'est très l'été, on peut bien ressentir là aujourd'hui. Oui, comme c'est l'été. Mais j'ai l'inspiration pour faire une robe de plage en macramé qui me prend moins un peu de temps. Alors la robe est juste ici, alors caméraman, si tu peux te tourner vers cette magnifique robe en macramé, alors explique-moi cette robe-là. Bon, comme en ce moment c'est l'été, j'ai l'inspiration pour faire une robe en macramé. Une bonne robe de plage. Donc qui comment portait, nous capable de trouver là, oui, voilà. Qui portait avec un bikini. Voilà, comment on peut trouver. Et cette robe-là, elle prend les temps pour faire chez Yann. Oui. Par exemple, une robe comme ça. Ouais. Par exemple, combien ou mesure on 10 fils. Nous, quand on dit combien met 10 fils, combien jours. C'est-à-dire, il prend moins des jours. En fait, je prends mes mesures là, moi-même. Parce que moi-même, mon modèle en ce moment, moi-même, mon mannequin. Bon, mesures. Bon, peine. À peu près, mais je mets le moment, je ne peux pas. Où est-ce que tu mesures? Oui, je mets le moment. Je mesure le moment, je fais le moment, je tire la photo comme ça, là,
si client intéressé, là, là, les caves, contactez-moi. Pour faire ça. Et là, c'est une robe, bien sûr, avec le bikini. Oui. On porte le maillot ou un petit short, whatever, comme vous voulez. Feel free. Alors, ça nous a gagné dans d'autres couleurs parce que c'est une émission pour la femme. Et je trouve que c'est l'été, c'est les couleurs vives. Eh bien, je sais pas, une robe là, vous avez fait sur mesure. Oui, sur mesure. Comme à Maurice, nous peinons. Enfin, moi, je peux trouver qui est dans la code en couleur. Je fais une taille en taille avec mon code, mon tenue, couleur qui est client là, bizarre. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça aussi, c'est une autre source d'inspiration. Et là, on trouve aussi un petit miroir aussi. Et ça aussi, c'est tendance. Oui. Beaucoup de clients regardent le macramé. Faire un mandala avec des tous autres miroirs en rond. Et ça, c'est une affaire qui est plus tendance, qui est plus en demande. Oui, plus en demande. Je demande ça beaucoup. Et là, je prends pour, c'est pas, trois différents dimanches. Tout ça, là. Comme ça, je suis content ça. Dès que mandala qui est autour là avec macramé là. Donc on passe en moyenne combien de temps nous étions par jour pour qu'on inspire pour mon cas inspire au fait pendant la nuit qui m'a gagné le temps et ça même qui m'a gagné sommeil au fait confiné au qui placard pour faire les enfants dormir donc c'est là c'est le moment pour vous. Oui là là me rentre le Pinterest me guetter m'aller défiler guetter qui inspire moi qui se dit comment mon cas fait ça comment tes affaires comme Haïm. D'accord, ben en tout cas, très intéressant ce monde. Comment vous êtes capable de trouver? Ne quittez pas. Bonjour. Étant donné qu'il fait une fête finie, moi, invite vous aujourd'hui à faire un petit tour à Rosebel avec différents Tifi et Madame dans le sud pour qu'ils nous capables de briller un peu nos bonnes calories. Étant donné nous bien manger, après manger, qu'ils nous besoin faire? Garde nous en bonne santé. Bienvenue à Rosebel. Deux sauts, comment ?
Bravo tout le monde! Cheyenne, comment macramé, il fait partie de la ville au gagne-pain, bien sûr, on a aussi un projet dedans. Oui. Alors, avec une prévoir. Oui. Bon, mon projet pour mon business, au fait, j'ai envie d'apprendre les autres aussi. Moi j'ai une opportunité pour apprendre un bon enfant autrement capable, mais à cause de COVID, dit un peu... Il n'est pas possible pour l'instant, pas possible vous attendez pour le feu vert pour pouvoir faire ça. Oui, mais pour plus tard, j'ai envie, comme si je prends du monde pour travailler avec moi, grandir mon business, c'est mon rêve du futur pour mon business. D'accord. Ouais. Et là, nous revenons un petit peu sur ça faire confiance en vous là. Et si vous avez les autres la porte qui est ouverte par exemple? Ouais. Dans ce qui est pour qu'on t'en faire. Parce que cette émission, c'est aussi le rêve d'une femme. Ouais. Bon, c'est mon gars, l'opportunité. Au fait, je me laisse la paix là, contrôle-moi, mais c'est mon gars. Jamais je pourrais aussi dire non, moi, mais c'est moi, je pourrais aller avec la paix là, même pas connu qui pourrait arriver devant, mais je pourrais aller avec la paix là, mais je ne peux pas accepter l'opportunité. D'accord. Ouais. Par exemple, quand mon téléphone vous dit, vous faites l'émission, vous avez peur. Ouais. Mais n'hésitez pas à me dire, ah, Dieu, qui fait tout content. Tout content, accepter ma grand-mère, après tout, vous avez un tracas, tu vas pour capable. Tu vas pas gérer ça traque là comment on peut passer un tas de films me fait dans la tête me l'écrire comment j'ai la Bible le mon téléphone qui m'a pour dire après là mais finalement nous pas un petit grand tracas quand même rassure-nous mais maman même j'ai moi comment non est-ce qui bébé ban bébé ça au vide monstre toi là qui fais ton bébé et ben ça tu es avec moi et moi j'ai dit quoi non arrête comme ça ban pour venir une mort de dix avant de venir moi pour juste. Et voilà, mais c'est un récit fini. Correct, mauvais récit, un récit, exprime-moi. Voilà, donc, contribuer quand même un petit peu à ce que vous regagnez confiance en vous. Ben, moi, je souhaitais qu'il vous fasse un petit travail aussi pour manger en ligne, continuer. Ben, bonne chance dans tout ce qu'il vous fait, dans tout ce qu'il entreprend. Bonne continuation. Merci. Merci, mesdames et messieurs, pour votre fidélité. Pardon pour la qualité de ma voix aujourd'hui. Alors, moi, je souhaite une bonne journée. Ou bonne soirée, dépend les qui peut faire qu'autres. Et pareil, comme un Cheyenne, vous aussi, vous avez envie, participe dans l'émission. Alors, numéro de téléphone et adresse ici, et bien nous pouvons contacter les autres. Et nous, l'équipe, pour venir vers les autres, mais pas qu'un père comme un Cheyenne, parce qu'il n'est pas mince du monde. En tout cas, merci encore. Et vous dire aux autres, à très bientôt. Bye bye. Bye. Hey pretty baby with the hobbies on that give me feeling like I've never ever known. You're just a product of loveliness. I like the groove of your walk, your talk, your dress. I feel your feather from miles around. I pick you up in my car and we'll bend the town. Just kiss me baby and tell me twice, 'cause you're the one for me, the way you make me feel. You really turn me on. You knock me off of my feet now, baby.
Pour les femmes, pour les charmes.